Pour la deuxième année consécutive, on a reconduit la course des garçons de café. Il fait beau, je pense que ça va être une belle réussite. Et c'est surtout, on a des organisateurs très conséquents, très professionnels. C'est un événement qui est organisé avec la ville de Chambéry et l'Union des commerçants en lien avec 12 partenaires qui travaillent de très près avec les cafés, hôtels, restaurants. Voilà, donc aujourd'hui on a la chance de recevoir, on a 70 inscrits et on a à peu près 23 établissements d'inscrits sur le bassin chambérien. J'ai trouvé que c'était un peu plus dur que l'année dernière parce que l'année dernière on pouvait un peu courir, du coup cette année on fallait marcher vite entre guillemets, du coup ça tire un peu plus sur les tibias, c'est un peu plus compliqué, mais c'était sympa quand même. Hyper fatigué parce qu'on ne peut pas courir, le fait de marcher ça épuise vachement, ça fait mal aux tibias et... Et voilà. Au bout d'un moment, la crampe, elle s'est fait ressortir, mais c'est dans la tête, je pense. Ça s'est bien passé. Moi, j'avais fait celle de l'année dernière. J'ai trouvé que ça a couru beaucoup plus vite. Enfin, ça n'a pas couru, justement, mais c'était pas facile. Hein. Ce qui changeait, c'est qu'on pouvait pas courir et marcher très vite pendant presque 2 km. C'était vraiment pas évident, quoi. Dans l'ensemble, ça s'est très bien passé. Après, moi, j'ai eu quelques petits dégâts avec mon plateau. Du coup, c'était un peu la mare au canard, mais... En même temps, c'était la première fois que je tenais un plateau de ma vie, donc c'était quand même cool de participer. J'étais contente, j'étais avec mes amis et puis j'ai essayé de faire de mon mieux. Et l'important, c'est qu'on est arrivé au bout et que j'ai rien renversé, donc ça, c'est super important. C'était super. Dur, mais c'était bien. On l'a fait l'année dernière et on l'a refait cette année. Et moi, je voulais la faire cette année, je ne l'ai pas fait l'année dernière. Ça s'est super bien passé, toujours pareil, bonne ambiance. Et en plus, on est ensemble, donc on n'est pas fatigué de la course, quoi. C'est vraiment cool. Très, très bonne organisation comme l'année dernière, beaucoup plus de monde pour encourager les concurrents et très belle course. Je l'ai jamais fait, c'était la première fois. C'est pas difficile, le seul problème c'est le plateau qui est un petit peu lourd pour nos petits bras. Puis non, ça va, sinon on s'en tire pas trop mal. Comme l'année dernière, toujours aussi bien, franchement, bonne ambiance avec tous les concurrents. Toujours un peu dur parce que quand on fait pas de sport, c'est horrible. Et ouais, franchement, vraiment très bien. L'événement, les courses des garçons de café, c'est déjà, on a vu que ça fédérait les cafés entre eux, ça créait du lien entre les cafés de Chambéry, il y en a qui ne se connaissaient pas, et c'est la jeunesse qui est là, et après il y a beaucoup de relations qui se créent entre eux, et c'est une émulation, et ça donne aussi envie peut-être à des jeunes de faire ce métier. C'est vraiment dans l'idée de valoriser le métier de serveur aussi. Impeccable, on est encore là, on a encore gagné. Qu'est-ce que vous voulez ? Ça s'est bien passé, c'était bien. On peut dire que Chapeaufin est le meilleur. Hein. Et les plus modestes. Et l'année prochaine, on est encore là. C'est vachement sympa, il y a quand même beaucoup de monde, l'air de rien, je m'attendais pas à autant de monde. Et l'ambiance, il est vraiment sympathique. Voilà, tout le monde, on n'est pas forcément en mauvaise ambiance, etc. Donc c'est cool. L'année dernière, on avait aussi participé et que pour nous, c'est un moment d'éclat et de partage entre les bars qui se trouvent à Chambéry. Et on sait qu'on est bien accueillis et on aime bien être là et partager ce moment avec tous les bars qui entourent Chambéry aussi. Voilà. Et la bière, elle est bonne. Oui, la bière est bonne. Merci Brasserie du Mont-Blanc. C'était vraiment sympa et toujours une bonne ambiance. Vraiment sympa et j'ai fait ça avec mes deux collègues qui sont juste là. Et on s'est vraiment bien éclaté, c'était vraiment cool. Ouais. Super, je recommence l'année prochaine, pas de soucis. Thank you.